103 décès supplémentaires et 2102 nouvelles contaminations par le coronavirus en Tunisie dans les dernières 24 heures. La situation épidémiologique est critique dans plusieurs gouvernorats. Pour faire face à cette situation délicate, le chef du gouvernement tunisien Hicham Mechichi s'est rendu le 8 juin pour la Suisse. Au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, Hicham Mechichi s'est entretenu avec son directeur général et a appelé à accélérer la cadence de la livraison des vaccins à la Tunisie du fait de l'importance du vaccin dans la relance de l'économie. Malgré l'efficacité du système sanitaire tunisien, la Tunisie ne pourrait attendre jusqu'au mois d'octobre et de novembre pour la livraison des vaccins, compte tenu à la grande pression à laquelle elle est confrontée actuellement. Pour sa part, le directeur général de l'OMS a salué les efforts de la Tunisie dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, tout en rappelant le soutien de l'organisation à la Tunisie pour se procurer le vaccin dans les délais les plus proches. L'organisation onusienne œuvre à accélérer l'approvisionnement de la Tunisie en doses de vaccins, et ce, à travers l'envoi durant les mois de juin et juillet prochains, d'un premier lot de 100 000 doses. Un deuxième lot de 250 000 doses sera envoyé au mois de septembre. 250 000 doses seront octroyées à la Tunisie fin 2021. Il est à noter que l'éventualité d'attribuer le brevet des vaccins anti-Covid-19 à la Tunisie a été évoquée aussi. D'ailleurs, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a affirmé notamment qu'elle œuvrera, en coopération avec l'OMS, à aider la Tunisie à fabriquer le vaccin. Le gouvernement tunisien espère vacciner 5 millions de personnes avant la fin de l'été. Mais le manque de vaccins et la lenteur des opérations a rendu ce but difficile à atteindre. Selon le ministère de la Santé, seuls 10% des 11 millions de Tunisiens, soit 1,2 million de personnes, ont reçu une première dose de vaccination depuis le début de la campagne, il y a 89 jours.